Ouais, c'est Dei Touré, grand libéré à Saint-Fra. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire, moi je confesse à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Le troisième match, comment on va gagner? Puisque tout le monde dit l'Algérie. L'Algérie, la CAN passée, on a fait match nul, après 1-1. L'équipe nationale, moi j'ai confiance du début jusqu'à la fin. Oui, pas le coach, c'est l'ensemble des joueurs qui veulent la faire. C'est pas le coach seulement, c'est l'ensemble des joueurs. Les joueurs sont matures, c'est les professionnels. Là, comment ils vont se retrouver? Je soutiens les éléphants de Côte d'Ivoire. Je soutiens tous. Allons pour la victoire. Ouais, je suis fier de. Je sais qu'il va gagner 2-0. La Côte d'Ivoire va gagner 2-0. Je suis fier. Mais actuellement, là, il y a confiance à mes joueurs. Il y a confiance à Jaou. C'est Fofana Mamadou. Je suis à Saint-Fran, je suis un supporter de la Côte d'Ivoire. L'équipe qui est la Côte d'Ivoire, la formation qu'on nous a montrée, vraiment, c'est pas ça. En ce moment, Ramassé est un entraîneur, c'est pas ce qui est juste, mais je viens entraîner la Côte d'Ivoire. C'est pas la peine. Hein? Sinon, vraiment, l'équipe, là, on ne peut pas progresser. Hein? Ah, vraiment, moi, je fais pas confiance à cette équipe-là. Ouais. Ah, les ballons qu'ils ont montré là, vraiment, c'est pas ça. Sinon, normalement, même là, le petit qui joue en Angleterre, là l'autre, là, il a sorti, ma seule cornée doit jouer. Lui qui a raté penalty, là, c'est pas la peine. Lui, il est déjà fatigué. Il faut donner chance à les enfants. Et le meilleur buteur du championnat ivoirien, là. Lui, on peut lui donner une chance. Le petit là. Donc vous souhaitez que la chance soit donnée aux plus jeunes. Voilà. Parce que là, ils n'ont rien à prouver encore. Déjà, ils ont eu l'argent. On fait donner chance à les enfants. Je suis M. Philippe Boumaka Jacky. La Côte d'Ivoire est une très bonne équipe, bien engagée dans ce tournoi. Mais sachez que cette CAN-là, toutes les équipes se valent. Voilà. Les deux matchs précédents. Ils ont été timides au début, mais après ils se sont rattrapés. J'ai confiance. Et je suis confiant, j'ai confiance en la Côte d'Ivoire, mais toujours avec des suspenses. Surtout des Ivoiriens, on espère que la Côte d'Ivoire ira loin. Mais écoutez, l'entraîneur fait ce qu'il veut et ce qu'il peut. Parce que nous voulons tous que la Côte d'Ivoire aille loin. Nous voulons tous que la Côte d'Ivoire joue mieux. Mais il y a aussi les réalités du terrain, les réalités de la CAN. Lui seul sait ce qui est bon pour la Côte d'Ivoire. Nous tous prions le bon Dieu pour qu'il puisse faire le bon choix. La Côte d'Ivoire joue mal. Elle ne joue pas bien parce que pour les faire confiance, la fois dernière, elle m'a découragé. Donc, elle était déçue. Oh, demain, là, c'est que je suis, il les supporte. Bonne chance à eux. L'équipe ivoirienne, c'est une très bonne équipe, mais elle manque de concentration cette année. Elle manque de concentration. Sinon, ils ont tous les joueurs. Pour évoluer. Oui, l'attaque est très bonne, la défense aussi. Mais c'est manque de concentration. L'entraîneur a beaucoup de choses à voir dedans. Hein. Sauf l'entraîneur, il est incompétent. Oui. L'entraîneur est très incompétent. On n'a pas besoin, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ces gens d'entraîneur. Non. On préfère prendre les Ivoiriens pour entraîner les Ivoiriens. Je vous remercie. Bonjour, les gars. Bonjour, Samy. Je suis là pour mes photos aussi. Ça, je vais bien, mais. Pour le deuxième match, le mal est joué parce qu'il doit marquer les belles vues, mais il fait les défauts. Voilà. Est-ce que l'entraîneur a bien mis les joueurs? Bon, bien sûr. Il a bien mis les joueurs, mais malheureusement, ma gardien n'était pas là. Donc, il était mal. On va mettre ton match. Quand tu vas gagner à Génie, mets ton 5-0.